Après avoir correctement positionné la bague de serrage et le presse-étoupe, j'ai pris l'habitude de replier lame du câble sur la gaine. Ça permet un meilleur maintien sur l'écosse à vis de la prise. La prise est numérotée de 1 à 7, de 1 à 6 sur la périphérie et le pot numéro 7 qui se trouve au centre. On va commencer par le pot numéro 1 qui est le clignotant gauche, le fil jaune. Le pot numéro 2, l'anti-brouillard, le fil bleu. Le pot numéro 3, la masse, le fil blanc. Le pot numéro 4, le clignotant droit, le fil vert. Le pot numéro 5, la veilleuse droite, le fil marron. Sur le pot numéro 7, je continue avec le fil noir pour la veilleuse gauche. Et je termine sur le pot numéro 6 avec le fil rouge pour les stops. Une fois le branchement terminé, on peut installer les deux coques de la prise en faisant attention de bien correctement positionner le détrompeur. On referme la prise. Et on resserre le presse-étoupe.